Hey peuple de YouTube, ici Monsieur Zombificateur, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Amnesia, le 7ème épisode. Ok, nous on avait fouillé cette pièce là et cette pièce là, il fallait qu'on prenne à droite, c'est ça, que je dise pas de bêtises. Donc là, franchement, je sais pas ce qui m'attend là-bas. Donc il faut qu'on trouve un petit superboir pour récolter de l'acide, mes chers amis. Pour pouvoir niquer une serrure. Là, attends, il y a une serrure ici. La porte est verrouillée et le cadenas est en excellent état. Ok. On n'a pas trouvé le tupperware ici, alors attends, il me reste combien d'huile? Il me reste pas beaucoup d'huile. On va essayer de se grouiller. Voilà. Ok, c'est ici qu'il faut aller. Ok, c'est bon, on peut y aller. On va s'enfermer ici. Voilà. Ouh, là on est à l'abri. Ah, le tupperware, il est là, mes chers amis. La fiole en verre, nickel. On va retourner à la cuisine maintenant. Alors attends, je vais essayer de ramasser ça si j'arrive, voilà. Ok, non, c'est pas ça. Ok, ça, ça sert à rien. Ah si, oh putain. Oh, de la patate. Voilà. Alors attends, je vais faire ça. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, retournons vite à la cuisine, mes chers amis. Je crois qu'il faut passer tout droit, il faut prendre à droite. Là, il faut passer par là. Il faut prendre à droite, je crois, que je dise pas de bêtises. Voilà, faut prendre par là. Je sais pas si c'est par là. Je sais pas si je dis une bêtise ou quoi. Mais on va vite le savoir. Parce que c'est un vrai labyrinthe ici, je vous le dis. Non, 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 c'est pas là. Pas là-bas non plus, à mon avis. À mon avis, il faut continuer par là. Oh, j'ai eu trop peur. Oh là là, c'est quoi ces voix? Ok, c'est par là. Attends, je sais pas si c'est là. Je sais pas si je me suis trompé. J'ai l'impression de m'être trompé là. Attends. La cuisine. La cuisine, c'est par où la cuisine? Elle est où cette putain de cuisine? Est-ce que c'est par là? Ouais, c'est possible que ça soit par là. Allez, ok, on fonce. On va chercher de l'acide. Okay. J'ai entendu le monstre. Il est où cet enculé? Oh là là, reste caché Trevor. Oh là là, putain. Il me stresse ce monstre, j'en peux plus. Faut qu'il parte là. Allez, casse-toi. Allez.
c'est pas Wider. Ok, je sais pas où il est. Je suis en panique totale. La fiole en verre garde l'acide sans risque. Voilà, fais voir. C'est bon, j'ai de l'acide. Donc maintenant on peut y aller. Ok, on a un cadenas ici. Donc là, je prends le flacon. Voilà, c'est bon. L'acide a sévèrement enflébi le cadenas. Oh putain, faut aller le re-remplir. Pour de bon, c'est une blague. Attends, peut-être qu'il faut utiliser ça. Ah. Oh putain. Vite, 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 vite. Oh, entrez dans le réservoir. C'est bon, on a esquivé le monstre. Oh, vous voyez jusqu'à où elle va l'intelligence. Heureusement que je suis pas allé rechercher de l'acide. Hein. Ouh. Je crois que j'ai réussi là. Elle est belle cette porte en tout cas. Elle est magnifique, regardez-moi ça. So you use the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal. And when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Ok, j'ai vu qu'il y avait un levier là-bas. Il y a une échelle. Alors là, il y a une sorte d'énigme. Ça ne veut pas bouger. Ok. Alors là, on a un escalier pété. On a un levier ici. Le levier est bloqué, il faut graisser ses engrenages. Le problème c'est que j'ai rien. Ah, il y a un accès ici. Par contre, tu vois, le problème c'est que j'ai rien du tout, j'ai pas d'huile. Oula, il y a de l'eau. L'eau est trop profonde pour pouvoir traverser sans risque. Ok. Donc là, faut trouver un moyen de faire évacuer l'eau en bas, c'est ça? Donc là, on a une nouvelle énigme, mes chers amis. Ça va être casse-couille. On a une échelle là qui est trop haute. Voilà, c'est ça. Là, on a la porte d'ici. Ok. Là, on a la tuyauterie. On a des traces tout autour ici. En plus j'ai plus d'huile pour éclairer quoi que ce soit. Ça fait chier ça. Franchement là je vois pas. À moins que je prenne... Attends. Je prends le bocal comme ça. Aucune combinaison possible. On a l'échelle qui est bloquée là. Comment on fait? Rien faire là. Un récipient nécessaire pour transporter de l'huile. Oh attends, il y a de l'huile ici. Elle est pas cool la vie. Voilà, ramasser fiole d'huile en verre. Donc je fais ça maintenant. Voilà. Ah. Un tuyau bloque l'échelle, il est néanmoins peut-être endommagé. Il a été un peu endommagé pendant l'impact. Alors si je fais ça. Si je fais ça. Attends. Si je la lève en l'air. Voilà. Et si je fais descendre l'échelle à fond. Voilà. Voilà, parfait, j'ai réussi. Alors là je grimpe à l'échelle, voilà, c'est nickel ça. Putain, on s'en sort plutôt bien mes chers amis aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe hein. Voilà. Bon, ensuite. Je n'ai pas d'huile. C'est quoi ça? Salle de contrôle, ok. Euh,
J'ai une nouvelle entrée dans le codex, ok. Oula. D'accord. Là j'ai fait descendre un truc. Ok, et celui-là. Ok. Alors, fais voir. J'ai une nouvelle entrée dans le codex. Une nouvelle entrée dans le codex, memento. Réparer la machine qui actionne le pont S. Pour entrer dans l'égout, il doit d'abord être vidé. D'accord. Alors ensuite, journaux intimes. Non, les notes. Au cas où la tige manquante. Nanana. Non, c'est bon. Ok, on a un accès là-bas. On a un accès là. Donc on va aller dans la salle de contrôle d'abord. On va aller faire un tour là-bas. Alors là, c'est des nouvelles énigmes pour aujourd'hui, mes chers amis. On va essayer de résoudre ce mystère et de passer outre. J'espère qu'on va y arriver. Ok, moi je sais pas ce qu'il y a ici, clairement. How did we find this? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we plan. D'accord. Ok, ok. Alors là, clairement, je sais pas ce qu'il y a ici. Alors, on a une porte ici. Ok. On a une valve ici. On a une porte là. Là. Ok, d'accord. Bon, il n'y a pas de monstre ici, à mon avis, mes chers amis. On n'a rien à craindre. On a une botte d'Amadoula. Voilà. Tac. Là on a rien derrière, ok. On a des poids ici, des sortes de poids. J'ai rien pour allumer là. Donc ok, on a trois valves ici. Ensuite, quoi d'autre? Je crois qu'on a une porte ici aussi. Voilà. On a un objet cassé là. Apparemment il faut le remettre en place. Ok. Boîte à Madou. Ça fait plaisir. Ok, ok. On a un objet cassé ici. Alors là, ça fuit. Là, il y a de l'alimentation. Ok. À mon avis, lui, il faut le remettre là-bas. Ok, on va aller voir ça. Alors peut-être ici. Non, c'est sûrement pas ici. Je sais pas du tout. Ah, peut-être là. Ah, il y en a deux. Il y en a un deuxième ici. Merde. Oh là là, quel con. J'ai fermé la porte. Voilà. Donc on va les mettre ici, voilà. Hop là. Ça m'en fait deux, voilà. Donc on va le mettre là. Voilà. Maintenant on va ouvrir ici. Une porte lourde, ok. Ah merde, elle se ferme, d'accord. On va la bloquer. Vous allez voir. Est-ce qu'elle se bloque déjà avec la caisse? Oui, elle se bloque avec la caisse. Donc on va la bloquer. Voilà. C'est parfait ça. Est-ce qu'on peut passer maintenant si c'est bloqué comme ça? Oui, c'est parfait. Ok, on a trois portes ici. Alors ça me rassure pas du tout. Ok. On a... Mais c'est quoi ce mécanisme de fou là? Il y a encore des trucs de malade ici, regardez-moi ça. Oh là là. Mais c'est quoi ce truc de dingue? Manivelle en bois. Ok. Ok, ok, on a une manivelle en bois. Ensuite. Quoi d'autre?
Ok, on a des mécanismes ici. On a une note ici. Machine, je crois qu'un homme peut égaler le travail à la fois que son et la foi que j'ai investi dans cette machine. Des générations d'hommes sont morts depuis ma première tentative de reconstruction du plan que j'ai trouvé près du chevalet en bois. Les limites de ce monde ont rendu mon travail incroyablement plus difficile et m'ont forcé à concevoir une chose presque 100 fois plus grande que la délicate machine qu'elle essaye d'émuler. Sans compter le flux contrôlé d'éclairs substitué de façon rudimentaire par de la pression de vapeur frayant son chemin à travers des tuyaux et des turbines, j'ai honte à l'idée d'imaginer que son inventeur pourrait penser de mon monstre là où il travaille avec une loupe pour fixer avec précaution toutes les parties. J'ai poussé 5 hommes à ériger une tour en fer forgé dans l'espoir qu'elle dispose d'une partie même intime du pouvoir trouvé dans le médaillon du voyageur. Oula, trop bizarre. Ouais, j'avoue que là, ça va être un peu galère. Donc ça, faut le prendre, je suppose. Voilà. Un petit peu d'huile, ça fait plaisir. Voilà. Ok. Donc on va récupérer ce tuyau. Ben là, mes chers amis, on a du boulot, je vous le dis. On a du boulot pour... Voilà. On a du boulot pour tout régler comme c'était. Enfin, pour tout réparer. Surtout que je comprends pas le fonctionnement de la machine, donc ça va être compliqué. Voilà. Alors ensuite. Là, ça va être complexe. Hein. C'est quoi cette pièce? Y'a quoi dedans? Ah, il y a les tuyaux ici, d'accord. Faut les remettre en place ici. Ok, c'est bon. Donc on va aller chercher les tuyaux. Voilà. À mon avis, là, on va pas se faire attaquer par le monstre. Parce que là, c'est une énigme et faut régler le truc. Alors, tac. Je fais ça. Je passe comme ça. Je le balance là-bas, voilà. Je vais récupérer ça. Il doit en manquer un, à mon avis. Je pense qu'il en manque un. Voilà. Je fais ça. Je prends ça. Je le balance, voilà. Allez, c'est parti. On va essayer de faire la même combinaison de l'autre côté. Alors, fais voir. Il y en a... Ouais, il doit en manquer, ouais. Ah bah, il se met automatique, c'est bon. C'est pratique, ça. Hop là, on va récupérer celui-là. Voilà. Voilà, c'est parfait, mes chers amis. Donc là, moi, j'en ai pas vu d'autres. Hein. Il doit en manquer quelque part. Voilà. Il en manque un. Alors là, vous pouvez être sûr que le dernier tuyau manquant, je sais où il est, moi. Il doit être dans l'autre pièce de l'autre côté. On va y aller. On va laisser tout comme ça, voilà. On y va de ce pas. Par contre là ouais c'est ça. On revient ici après, juste après. On va aller au pont de gauche. C'est pas pour rien si on a pu descendre la passerelle. A mon avis c'est qu'il y a un accès. Il y a quelque chose à récupérer là-bas, mais à mon avis ça va pas être facile de le récupérer. A mon avis il y a un monstre qui va nous entendre. Il y a un monstre qui nous attend là-bas, c'est obligé quoi. Voilà, c'est bon, on y est. Le réservoir, voilà. Là, je suis sûr, il y a un monstre ici, c'est obligé. Ok. Allez, dis-moi qu'on va y arriver. Oula, ça commence bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est? You're conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mill. Exactly. D'accord. Ok, ok.
Vous voulez mon avis, on va fouiller d'abord un peu de partout. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a ici, moi. Ok, là faut sauter. Là faut sauter. Là faut sauter. Voilà. Ok, là faut arriver à sauter là. Hop là, c'est pas compliqué. Hein. Oula! Il y a le fameux monstre! Attends, il y a une note ici. 7th of August, 1839. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground, where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Ok. Elle est cool ta vie. Alors allez, on tourne ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait. Hein. Réorienter l'eau de l'égout. Ok, d'accord. Merde, attends, j'ai fait une connerie là. Je voulais pas que je fasse ça là. Oh là là, putain. Si je tombe là, c'est la merde. Ok, allez, on y va, on est des thugs. J'entends des voix bizarres. Ok, c'est trop bizarre. Putain, mes chers amis, je suis paumé ici. Je suis perdu. Je sais pas ce qu'il faut faire. C'est pas grave, on y va. Ok. C'est trop grand, c'est trop grand. Il y a trop de trucs là. What the fuck. Ok, là on peut dire que c'est bloqué ici. Hein? Voilà. Donc on va aller voir là-bas. Voilà. Ça à mon avis, ça doit faire mal. Ah vite, on passe. Oh putain, enfoiré. Attends. Passer au bon moment. Voilà. Tac. Voilà, tac. Ah mais c'est sérieux, putain, mais je suis passé, oh. Qu'est-ce qui me fait chier là? Attends, je vais tourner ça. Comment on fait? Voilà. Et là? Qu'est-ce que ça dit? Voilà, ça a coupé les gaz, d'accord. J'ai compris. J'ai coupé les gaz. J'ai rien pour me soigner. Non, que dalle. Ok. C'est pas grave, on va garder la lumière. What the fuck? C'est quoi ça? Et on porte ça. Voilà. Parfait. Allez, on lit vite la note. 1839. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. Inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. D'accord. It was terrifying,
but Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. D'accord, putain, ouais, c'est bizarre, ouais. Attends, y'a quoi, là? Ok, là, y'a rien du tout. Ok, ok. Donc, on a actionné ça. Je sais pas si tout l'eau s'est vidé, là. Encore de l'eau en bas, non? On dirait qu'il y a plus d'eau en bas, non? Si, il y a encore un peu d'eau. Oula, oula, oula. Quelque chose de pas trop normal, là. Alors, attends, c'est quoi, ça? C'est attaché à une chaîne rouillée au plafond. Ok. Y'a quelque chose ici là? Vite, vite, vite. J'aime pas trop rester dans l'eau. Ok, on peut pas grimper là? Sans déconner. Faut sauter par là, d'accord. Ah, c'est bloqué, c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est fait exprès, ok. D'accord. Donc il faut faire demi-tour. On en vient de là, non? Attends, on est passé par là. Non? Ah, mais attends, tu veux dire qu'on peut passer là? Non, on peut pas. C'est bloqué. Comment on fait alors? Attends, j'ai quoi sur moi? Manivelle en bois pour une machine. Ok. Je sais pas si on va pouvoir l'utiliser, ça. Vous pouvez pas utiliser l'objet de cette façon. On peut pas grimper en haut. Tac. Non plus. Je sais pas comment on peut faire pour faire descendre ça. Donc là on est bloqué à ce niveau là, ok. Non, là je peux pas. Ah, je peux rien faire, hein. C'est attaché à une chaîne rouillée au plafond. Ouais. Non, je peux pas faire de miracle, mon ami. Ah, attends, peut-être avec un caillou. Pas des petits cailloux par terre? Pas des petits cailloux ici là? Ah ben voilà, en balançant les cailloux. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben voilà, elle est où l'intelligence? Tu la sens, mon intelligence, tu la sens. C'est le mec. Ok, j'ai plus d'huile. Ok, allez, on saute par ici. Ah, attends, il y a eu un éboulement là. Qu'est-ce que je peux faire là? Ok, je passe par là. Je passe par là. Je passe là. Voilà, je passe sur le petit pont ici. Enfin, la petite planche. Là, j'ai une note. Voilà. 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. D'accord, oui, oui, tout à fait, Trevor, tout à fait. Donc là, on n'a plus qu'à tourner ça. Voilà. Ah, j'ai un petit succès, maître des eaux. Ah bah ouais, tu peux le dire, hein. Oh, petit truc d'huile. Attends, attends, attends. Je peux pas le choper. Mais moi, je vais le choper, hein. Parce qu'il est à moi, hein. Voilà, c'est bon. Hop là, ça c'est bon. Allez, maintenant, on peut se casser d'ici, mes chers amis, je pense. On a vidé toute l'eau. On
que c'est bon. Allez, go, go, go. On se casse d'ici. Il y a quelque chose dans l'eau. Il y a quelque chose dans l'eau, je vous le dis. Il y a quelque chose dans l'eau, là. Ah, il y a quelque chose dans l'eau, là. J'ai entendu quelque chose. Bah, ok, on se casse d'ici, mes chers amis. On se casse d'ici, on se casse d'ici. On reviendra ici, s'il faut. Là. Parce que là, clairement, c'est bon. On a fait tout ce qu'il y avait à faire ici. Donc, du coup, voilà. Ça c'est fait. Voilà. Donc là, théoriquement, on a vidé l'eau qui est tout en bas. Alors, rappelez-vous, dans la salle des machines là-bas, il nous manque une tuyauterie. Donc je pense qu'il faut aller fouiller en bas et trouver les derniers outils. Donc on va descendre déjà. Voilà. Hop là. À mon avis, voilà comment ça va se passer, je vais vous expliquer. On va aller par ici, on va chercher les outils qui nous restent. On va configurer la machine en haut. Cette machine en haut va nous ouvrir la porte ici, voilà. Ça va se passer comme ça. Mais pour ce faire, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, mes chers amis. J'espère que celui-ci vous a plu. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien. Peace!